Bonjour, élèves harmonicistes. Nouvelle vidéo du samedi midi. La semaine dernière, nous avons joué ensemble un thème de jazz, une chanson d'amour qui s'appelle I've Got You Under My Skin. Si tu l'as loupé, je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir écouter ce morceau et apprendre à le jouer si tu en as envie. Cette semaine, nous voyons une autre chanson d'amour, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus rock, interprétation binaire, comme dans le rock. La semaine dernière, c'était ternaire avec le jazz, donc on change d'univers. C'est un morceau rock, tu vas voir, un petit peu jazzifié, on va dire, c'est un peu jazz-rock, quoi. Bon, voilà. Donc, ça s'appelle Woman, et c'était une chanson de John Lennon. C'est toujours d'ailleurs une chanson de John Lennon. Et donc, je te joue ça sur ma bête de course en si bémol, mon instrument préféré. Et après le morceau, après la présentation du morceau, je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer.
Alors, est-ce que tu peux apprécier mon interprétation de Woman? Est-ce que tu voudrais faire pareil? Enfin, pareil, pas forcément exactement comme moi, parce que tu as dû l'entendre. Il y a une partie d'improvisation, mais tu peux t'inspirer de ce que je fais et créer tes propres interprétations, tes propres effets dans le morceau et même ta propre improvisation. Comment faire? Eh bien, tout simplement, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo, donc en bas si tu me regardes sur YouTube ou en haut si tu me suis sur Facebook. Et tu vas pouvoir t'inscrire à un cours pour donc apprendre à jouer ce morceau. Alors, tu as trois options. Soit tu prends que la tablature, donc tu as l'indication de là où il faut souffler, aspirer et altérer, mais tu n'as pas l'indication des rythmes, tu n'as pas la piste d'accompagnement, tu n'as rien de tout ça, tu as juste la tablature. Deuxième option, c'est ce que j'appelle le dossier pédago. Le dossier pédago, en fait, c'est dedans, tu as la démonstration en MP3, donc comme je viens de le faire ici. La piste d'accompagnement tout seul pour que tu puisses rejouer le morceau avec le groupe qui t'accompagne. Donc, c'est la même piste que j'utilise pour ma démonstration. Tu as la partition, la tablature. Voilà, tout ça, c'est le dossier pédago. Et si tu prends le cours complet, c'est la troisième option. Là, non seulement tu as tout ce que je viens de citer, mais tu as également sept cours en vidéo. Donc, tu as une vidéo de présentation plus sept vidéos de cours qui suivent la méthode, une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode dérive que j'utilise pour travailler tous les morceaux, D comme déchiffrage de la partition et de la tablature, E comme on repère les, donc E comme extraction parce qu'on repère les passages difficiles et je te montre comment les travailler. Donc je travaille le morceau en même temps que toi. Le principe, c'est que je prends un morceau, je ne sais pas encore le jouer, je travaille devant toi et à la fin du morceau, je sais le jouer et toi aussi. Donc extraction des parties difficiles, on les travaille. Phase suivante, R comme réintégration, on réintègre les passages anciennement difficiles dans le morceau parce que c'est devenu facile. I comme interprétation rythmique, donc on apprend à jouer les rythmes et à bien placer rythmiquement les notes sur la piste d'accompagnement. Ensuite, V comme variation mélodique, on commence à varier un petit peu les mélodies parce que quand je reprends le thème, je fais de subtiles variations mélodiques. E comme, donc E numéro 2 comme effet, on rajoute les effets de l'harmonica pour interpréter le morceau. Et 7, c'est la partie solo, S comme solo, c'est-à-dire je prends une improvisation. Donc D, E, R, I, V, E, S, ça te fait 7 vidéos en 7 étapes. Et donc on se voit l'un et l'autre. Enfin, en tout cas, tu me vois surtout. Moi, je ne te vois pas, mais parce que les vidéos sont préenregistrées. Mais tu me vois travailler le morceau devant toi. Je partage la partition, je prends des annotations, je fais des essais à l'harmonica, je t'explique, je te dis tout ce à quoi je pense. Je t'explique tout ça et voilà, comme ça, tu as tout le processus, toute la méthode pour partir du zéro absolu, c'est-à-dire bah, si tu connais quand même tes notes naturelles et tes altérations inspirées, mais tu ne sais pas jouer du tout le morceau, tu ne l'as jamais vu de ta vie, voilà, je te présente la partition et la tablature et ensemble, on travaille le morceau et je te montre exactement comment il faut faire. Okay? Voilà comment ça fonctionne. Donc, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Et tu es redirigé directement sur la page d'inscription pour apprendre à jouer Woman de John Lennon. Voilà, on se retrouve samedi prochain car c'est la reprise. Je te propose d'apprendre à jouer un nouveau morceau chaque semaine le samedi. Ah oui, dernière chose avant de nous quitter. Il y a un tarif préférentiel la première semaine, c'est-à-dire que entre cette semaine et samedi prochain à midi, tu as un tiers du prix qui s'est effondré. Ça, c'est comment dire, une tradition dans l'école internationale d'harmonica. Quand je lance un nouveau cours, une nouvelle formation, eh bien, il y a un tarif de lancement. Donc, le tarif de lancement pour la vidéo du samedi midi, c'est que tu prennes la tablature, le dossier pédago ou le cours complet, tu as un tiers de moins. Okay? Donc, tu peux quand même prendre évidemment le cours si tu prends le morceau beaucoup plus tard que cette semaine. Simplement, tu paieras le prix fort. OK? Voilà. Donc, le tarif préférentiel, il court jusqu'au samedi prochain à midi pile. OK? Et donc, si tu veux jouer un autre morceau, eh bien, on peut se retrouver donc samedi prochain à midi, midi pile. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air pour montrer que tu as apprécié cette vidéo. Tu peux me mettre un commentaire si tu as des questions à propos du morceau ou du cours. Et en tout cas, on se retrouve donc de l'autre côté pour le cours complet, le dossier pédago ou la tablature si tu choisis d'apprendre à jouer ce morceau. Et en tout cas, sur cette chaîne YouTube
pour la prochaine vidéo de samedi. On se retrouve samedi prochain à midi.